Bonjour à tous, c'est Bonnie Brest et on se retrouve pour la suite du tour opérateur du Super Meat World. Alors la dernière fois on a fait un chapitre assez horrible. Bon, il existait plus dur, il existait plus facile. Donc aujourd'hui on va faire un truc qui, d'après ce que j'ai lu et vu sur internet, est plus relaxant. Mais bon, hein, c'est toujours du Super Meat Boy, hein, donc... Faut pas s'attendre non plus à du tout facile, du tout rose, du tout droit, enfin bon bref, un truc relaxant. Je vais alterner les niveaux horribles et les niveaux un peu plus faciles, entre guillemets. Donc la semaine prochaine je ferai soit le Dark World Remnants ou Esper Remix. Mais là, aujourd'hui c'est le Paradise Lost. C'est un niveau où on incarne Bruni de ce que j'ai compris, et ça se passe dans une forêt en flammes ou je sais pas quoi. Enfin bon bref, on va voir ça tout de suite, allez c'est parti mon kiki. En espérant que ça ne crache pas. Donc vous voyez, on dirige Bruni et ça change de Meat Boy, même si la physique est totalement identique. Donc espérons que ce soit vraiment la réalité, que ce soit plus relax. Oui, donc déjà que le premier chapitre est facile. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, c'est une forêt en flammes. Putain, attention, attention, il y a de la tronçonneuse là. Oh, il y a de la tronçonneuse. Ouais, surtout je fais un truc relax parce que là c'est dimanche matin, j'ai pas envie de me prendre la... Putain. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête là. Alors où est-ce qu'on peut aller là? Oh putain, alors soit on s'accroche au-dessus. Attendez, j'aurais tenté un truc. Ah putain, ça passe pas. Ça passe pas, j'aurais voulu tenter de m'accrocher là-haut là. Oh quel patron! C'est bon ça, putain. Jouer le dimanche matin, c'est pas forcément l'idée du siècle, hein, mais enfin bon. Putain, mais tu... À mon avis, on peut pas y aller, hein. Même si ça me semble possible, pourtant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le saut classique, c'est-à-dire celui-là. Ouais, non, ça a pas l'air insurmontable, heureusement. Ok, ça servait à ça, tout simplement. Voilà, il fallait vraiment pas se compliquer la vie. Ok! Ouais. Et je croyais que c'était des niveaux faciles, hein, faut savoir, hein. Concentration. Oh putain. Ouais, attends, vous êtes sûr que c'est facile ces genres de niveaux là? Non, juste la dernière tronçonneuse, mais non. Oh putain, je suis un peu malade. C'est pour ça que je fais du facile là. Je sais pas, moi on me dit. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, il m'a dit. Enfin, il m'a dit. Il dit dans sa vidéo, c'est de la difficulté de rapture. Environ rapture. Ça serait rapture s'il n'y avait pas cette putain de tronçonneuse qui te poursuit à la fin, quoi. Putain, mais vas-y. Finalement, c'est pas si facile que ça. Ça doit être le... C'est le troisième niveau, ça. Donc, il y en a 20, donc je pense qu'on va encore bien rigoler. Oh là là, je me... C'est catastrophique, hein, franchement. J'aime pas ce genre de niveau là. Enfin, ça irait s'il y avait pas la tronçonneuse en dessous, parce que là t'as la pression, mais un truc de fou quoi. Tu t'obliges à aller vite, et en général quand tu t'obliges à aller vite, 9 fois sur 10 c'est le drame. Et voilà, c'est comme on le voit actuellement. Le design de ce niveau est très simple. Comme en fait, en général les niveaux les plus durs sont ceux qui ont le design le plus, qui semble le plus facile, vous voyez. On se dit, ouais, bon. Ça casse pas trois pattes à un canard, ce truc. Putain, là, je suis pas trop mal. Voilà. Putain, on a chié quand même pas mal, hein, franchement, pour un petit niveau. Là, on a quoi? Ok, bon. Là, il faut descendre, logiquement. Ça a l'air facile. Oh, putain. Oh, la feinte! Oh, la feinte! Là, je me suis bien fait avoir, là. Comme un bleu. Comme un gros débutant. Ça m'apprendra. Là, on va attendre que la tronçonneuse revienne. On va pas faire de conneries. Hop. 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 Vas-y, casse-toi. Cimer Albert, on se met ici. Il n'y a plus qu'à attendre. Vas-y, dépêche-toi. Voilà. Et un niveau de plus. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh putain, mais c'est quoi ce niveau de psychopathe encore? Bon, vous savez quoi, hein? On va dasher comme les gros tarés, hein. Fail.
Oh putain la vache. Putain mais c'est vraiment des menteurs hein, les mecs hein. Ouais c'est facile, oui, c'est du niveau de rapture, du niveau de JL, oui, tu risques rien, bien sûr. Et putain mais c'est quoi ce truc de psychopathe là? Ça serait facile s'il n'y avait pas la tronçonneuse du dessus là. Oh dommage, dommage, je me suis trop appuyé. Ah c'est con. Ça tient à pas grand chose, un succès. Il n'y aurait pas ces blocs à la con là qui aussi qui se font. Qui se désintégreraient sous tes pas, ça serait plus simple. Hein, mais bon. On serait pas là. Ah merde, putain, c'est chaud. Oh la vache. Oh la vache. Moi qui voulais pas me prendre la tête un dimanche matin. Oh non, je suis trop deg. Je suis trop deg là, franchement. Quel dommage. Ah, franchement, là, y avait de l'idée, quoi. Ah, putain, sa mère. Sa mère. Broly, va en enfer. Tu fais chier, Broly. Ah, putain, mais je suis deg. Deux fois, j'y étais, quoi. Enfin, surtout, je suis passé par-dessus Bandage Girl, quoi. Pour une fois que la hitbox de Bandage Girl était... Je sais pas, c'est d'habitude Bandage Girl, tu t'es vraiment loin. Enfin vraiment loin. Tu la touches quoi, mais là j'étais... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir touché puis... Putain, c'est pas vrai ça. Voilà, putain, bordel. Enfin réussi ce niveau. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, une chose est sûre, le mec qui a fait le niveau... Il aime bien les tronçonneuses, hein, franchement, parce que là, on est servi. On a que de ça. Alors là, quand est-ce qu'on peut passer? Tout simplement, comme ceci. Le patron style. Non, franchement, il n'y a que des tronçonneuses, c'est ouf, quoi. Il n'y a que de ça. Oh là, par contre, j'ai eu un beau lag, là. Putain, je sais pas si vous l'avez vu. Mais magnifique, quoi. Bon, c'est pas si hard que ça, hein. Ta gueule, ça vaudra mieux. Dans le début, il y... Oh putain. Ah, mais ça se voit direct. C'est quand tu te cognes pendant un saut, 9 fois sur 10, derrière, tu meurs. Ça, c'est obligatoire. Oh là là, mais quel mauvais. Mais quel abruti, surtout. Attends, là, faut attendre le bon moment. C'est-à-dire maintenant. Et putain, mais ce saut, j'appuie pas assez, hein. Là oui, là les nuances de saut, hein, encore une fois, dans Meat Boy, c'est important. J'aurais appuyé plus, je serais passé par-dessus la plateforme. Non, 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 c'est pas le moment. Voilà, c'est bon. Ok, là on a quoi? On a l'arrivée, c'est bon. Alors. Alors je vois trois clés, et je ne vois pas en Edge Girl. C'est ça qui est beau. C'est quoi ces trucs rouges au-dessus, là? Là, ça me fait penser à un niveau de Remnants qu'on a fait bah, la semaine dernière. Exactement le même truc. Mais c'est facile ou quoi là? Ouais, en fait, finalement, en fait, c'est facile. Ça, par contre, ça l'est déjà moins. Bah, ça l'est beaucoup moins. Putain, ça, par contre, ça m'envoie. Ça c'est. Je déteste. Je déteste ce truc là. Les canons laser quand t'es emprisonné, c'est horrible. Putain. Est-ce que si je reste là, je suis safe? Ok, donc là, il faut dasher, là. Dash 2 en 1. Merde. C'est pas si hard que ça. Tu fais la première esquive, tu dashes, et tu te prends le missile en pleine gueule. C'est du Wattem, ça. Sinon, un truc qui m'a fait halluciner, c'est je vous avais dit que les mecs qui avaient fait Expert Remix, ils n'avaient pas inventé l'eau chaude, ça je vous l'ai dit quand j'ai fait Potato Boy. Je disais, ouais, bon, ils reprennent, certes avec brio ou pas, des niveaux déjà faits de la Team Meat, ça révolutionne pas le gameplay. Vous allez rigoler, qui a fait les niveaux de Expert Remix? Je vous le donne en mille, c'est la Team Meat. La Team Meat a fait pas mal de... Je crois qu'ils ont fait 2-3 chapitres sur le Super Meat World. Ils ont fait The Kid Xmas, bah, ils ont fait le Expert Remix et ils ont fait aussi le Butcher Boy. Je sais pas du tout ce que c'est ce chapitre, parce que j'ai pas essayé. Le Kid Xmas, je connais, c'est affreux.
Butcher Boy, je connais pas. Et Expert Remix, bah, je vous avais montré quelques niveaux et qui sont horribles, hein, niveau de difficulté. Là ce matin, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie de jouer Meat Boy, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je vais faire un niveau qui est jugé plus facile. Un monde qui est jugé plus facile. Après une petite recherche sur internet et sur YouTube, et bah, je suis tombé sur le Paradise Lost. Et bah du coup, je l'ai fait, mais vous inquiétez pas. Hein. Le Expert Remix, j'y passerai. Le Remnants Dark World, j'y passerai aussi. Vous inquiétez pas. C'est un passage, j'ai envie de dire, obligatoire du Super Meat World, franchement. Et bâtard de missile, je l'ai vu gros comme une maison celui-là et j'ai pas su l'esquiver. Ouais, donc vous inquiétez pas si là je fais un truc facile parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Enfin, même si je me prends pas la tête quand je fais un truc difficile, mais là c'est le. J'ai pas encore déjeuné, c'est le matin, je sais pas quoi faire. Je dis tiens, faire du Super Meat Boy hein. Voilà, moi quand je me fais chier, je fais du Super Meat Boy hein. Chacun ses activités. Non, j'avais vraiment pas envie de me faire chier ce matin. J'avais envie d'être autre coup. Tranquille, relax. Mais putain, mais. Et ce bâtard de missile, il est ouf, hein. Et les niveaux les plus cons, c'est ceux où on perd le plus de temps. Voilà, il fallait le leurrer un petit peu. Alors là, on a quoi? Oh non, pas des ventilos, s'il vous plaît. Ah putain, non, si c'est ça, je déteste. Je déteste les ventilos! Alors attention, non, ça va pas. Voilà. Pardon. Et par contre, je ne remarque que maintenant, on a encore la musique de Canosault. Hein. Ça fait je ne sais pas combien de chapitres qu'on a ça. Mais c'est ouf. Hein. À croire qu'ils ne mettent que Canosault. Moi, ça me dérange pas. C'est la musique que je préfère. Limite, la musique que je préfère dans Super Meat Boy. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Pour ceux qui en ont marre de Canosault, je peux comprendre. Ça fait je ne sais pas combien de chapitres qu'on fait et qu'on a Canosault. Potato Boy, on a eu Canosault. Je crois. Non, je sais plus si. Canosault, Potato Boy et Remnant, on a eu Canosault aussi. Il faut aller où là? Je sais pas où il faut aller là. En tout cas, petite variante graphique qui n'est pas dégueulasse. Même par contre, le problème c'est qu'on va pas où aller quoi. Enfin, bah, il fallait aller ici. Oh putain! Comment je fais là? Par contre, la hitbox du feu là. Vous voyez, elle est bizarre, hein, parce que là je suis sur du feu, je meurs pas. Ah si, je meurs, bon, j'ai rien dit. Ah là j'ai... Merde, il y avait du temps pour passer là. Ah ouais, 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 ouais. Ah, je déteste, c'est hitbox à la con là, tu sais pas quand est-ce que tu peux y aller et que tu ne peux pas y aller. Bon, en général tu prends pas le risque d'y aller parce que tu sais que tu vas finir à la broche là. Oh là là, la vache, pas évident ce passage. Hein. Faut tracer comme un gros fou là. Hop là. Et je pense qu'il y a juste à tomber logiquement. Voilà, parfait. Putain, j'ai pas le temps de réfléchir. Dépêche-toi. Ok. Il y en a une après, je parie. Gagné. Ah, j'aime bien ce genre de niveau. Enfin, j'aime bien. Vous voyez, le niveau 3, j'en ai chié, mais c'était en hauteur. Là, je préfère, vous voyez, quand c'est à l'horizontale, ou à la verticale. C'est plus rigolo. Putain, puis il va vachement vite cette conne de tronçonneuse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Dopé au stéroïde, la bestiole. Hein. Elle va quand même vachement vite. Hein. Et là, justement, il faut faire plein de petits sauts, même si je ne le fais pas. Des fois, je préfère faire des grands sauts pour éviter deux tronçonneuses d'un coup. Oh, putain. Mais putain, mais elle va trop vite! Sérieux, elle va trop vite! Et là, ça c'est pas un gain de temps, ça. Oh putain merde, non. Oh je suis deg. Oh je suis deg. Oh je suis deg. Oh je suis deg. J'ai fait mon fameux effet rétro. Mon fameux gauche-droite que je fais tout le temps quoi. Putain mais quel abruti. Sérieux. Bon ça va que je réussis juste dans la foulée derrière quoi. Mais n'importe quoi ce fail. N'importe quoi. Oh putain, il y a de la clé partout là. Ok, donc là tu prends appui sur le bloc de clé que tu détruis. Classique. Enfin classique. Non pas classique justement. Un petit design de The Salt Factory, ça fait pas... Merde, j'avais pas vu le sel au-dessus, là, putain. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait du sel au-dessus, donc c'est assez salaud, finalement. Là, on peut y aller sans crainte. Ah ouais, finalement, faire quelques petits sauts assez techniques, surtout que, encore une fois, le sel n'étant pas... Oui, la plateforme est loin d'être régulière. Les hitbox sont particulières. Donc là, il faut se mettre ici, voilà. Oh putain, merde. C'est bon.
J'avais pas vu le missile. Là, on est où, là? On est dans des égouts, quoi, là? Alors, je vois deux lance-roquettes. Je vois une clé au milieu. Oh, c'est facile. C'est easy. Je pense que c'est easy. On fait le tour de la carte. Là, ah merde, il y a encore une clé. Ah merde, de l'autre côté, je l'avais pas vu. Par contre, le problème, c'est que... Non, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller en haut, comme j'ai fait d'habitude, là. Et ça passe, normalement. Voilà. Comme une fleur, le boy. Merde, j'ai mis 4 étoiles, j'aurais pu mettre 5. Ah, petit design de The End. Ça m'a l'air relativement tranquille, encore une fois, non? Mais c'est relativement tranquille. Ouais, je vous l'avais dit, hein, c'est des niveaux non prise de tête, hein. Là, c'est le dimanche matin, je fais du relax. On est où, là? On dirait une design de Warp Zone, je sais plus laquelle. C'était dans ce même type de minerai. Putain, par contre, mais le mec, il a abusé sur les tronçonneuses, quoi. Il y a que de ça. C'est un truc de fou, là. Ça, heureusement, je vois pas trop vite, parce que j'imagine pas... Non, mais c'est tout. Merde! Mais quel con! Ouais, c'est facile! Et mort 2 secondes après. What else? Allez, dépêche-toi. Il aurait pu les faire... Aller plus vite, même si je me fais avoir comme un bleu à chaque fois. C'est ça qui est bon. Oh là là, mais quel autiste. Quel abruti. Quel abruti. Il faut y aller doucement. Voilà. Et il y a encore des chapitres. Alors là, on est où, là? Déjà, je vois pas où je suis, là. Ah d'accord, je suis au milieu. Donc, il y a une clé en bas. Ça roule ma poule. Donc là, on va... Putain, oulala, c'est quoi ce niveau, là? Une clé ici. Et oui, on a une girl. Ah d'accord, elle est au-dessus. Très bien. Ça peut l'air d'être un niveau hyper compliqué. Il faut juste vraiment la prendre son temps. Faut vraiment pas se presser. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Faut y aller relax. Faut y aller à la G-Lowell. Le mode relax. Voilà. Donc là, faut y aller tranquille. Là, tu passes. Vous voyez, franchement, on n'est pas hyper... on va pas hyper vite, on n'est pas hyper gros skill, mais ça suffit. Ça suffit. Là, par contre, la fin, à mon avis, ça va être le plus dur. Ou pas, finalement. Ça se fait tout seul. Alors là, nous avons quoi? Du Salt Factory, comme s'il en pleuvait. Une clé à gauche. Go, on y va. J'ai un lag sympathique, là, tout de fou. C'est pas grave. Alors là, toi, voilà, tu tires, tu tires. Non, quel con, ce brownie. Ah oui, là, j'ai des gros lags, là, putain. Le premier niveau qui fait ça. Oh putain, non, ils ont osé mettre un ventilo. Non, mec, c'est pas sérieux, ça. Merde, j'ai oublié une clé ou quoi? Faut aller où, là? Attendez, j'ai pas compris où il faut aller. Parce que là, je ne peux pas passer. Faut que j'aille au-dessus. Mais comment je vais au-dessus, là? Comment je vais au-dessus, là, sérieux? Ah, mais je suis con. Mais je suis vraiment un abruti. Juste à faire ça, quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et mourir dans la seconde qui suit? Mais vraiment, easy. Enfin, easy. Déjà, je me disais, mais putain, mais je vais où là? Je peux pas, mais en fait, si. Je voyais les clés, je voyais que les clés, vous voyez. Voilà, ça, c'est moins horrible que le Super Midland 2. Celui que je dis ça, bien sûr, pour trouver dans la zone qui suit. What else? Merde, j'ai raté la clé, putain. C'est quoi ce niveau? Tu le sens qu'il est pas compliqué et tu perds sur de la merde. C'est le grand classique de Meat Boy. Tu vois le niveau facile, tu te déconcentres et t'y arrives plus. C'est la vie. Est-ce que ça, c'est pas hyper... Putain, non. Mais bordel. Voilà, putain, il y a rien de difficile. Voilà, tu te dépêches, là. Ok, alors attendez, là on n'a pas fini les emmerdes.
Non, mais quel con! Fallait surtout pas que je fasse ça! Je m'étais mis dans le rythme de la tronçonneuse et c'était fini là. Ouais, là j'ai fait la grosse erreur, j'aurais dû me laisser tomber et recommencer. Et là, non, je prends le risque de recommencer le niveau. Enfin, je prends le risque. Il n'y a pas de risque à recommencer un niveau. Mais je vais sûrement perdre. Vous voyez, ici, par exemple. Même si là, je maîtrise. J'ai eu chaud encore. J'ai eu très chaud. Oh, putain. Oui, ça va. On a réussi juste derrière. Et c'est la fin de ce petit chapitre relaxant, le Paradise Lost. Oui, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Désolé si vous attendiez de la difficulté, ça viendra la prochaine fois. Je préfère alterner, vous voyez, parce que faire deux fois des trucs horribles, mes 10 ans, si je fais des vidéos en 3 ou 4 parties pour chaque monde, ça va pas trop le faire. Par contre, la prochaine fois, on fera soit Dark World Remnants, soit Expert Remix, je sais pas. J'hésite, bon, tu en balances. Mais bon, en tout cas, c'est sûr, on les fera. Là, c'était vraiment niveau relax. Le niveau du dimanche matin, vous voyez. Le niveau où tu te prends pas la tête. T'es cool, t'es tranquille, t'es pépère. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de la difficulté, je vous le promets. Allez, ciao.